1,30 monsieur pour la 4. Salut. Salut. Ben, ravi de te voir en vrai. Ah ben, moi aussi. Désolé pour le retard, j'étais pris dans les bouchons, là c'est l'enfer en ce moment. Ah, t'es venu en voiture? C'est pas très écolo ça. Eh ouais, bah oui, c'est comme ça. On boit un coup? Oui. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre une bière, moi. Une bière? Moi je vais être ça, je vais prendre un jus d'orange pressé. Et une orange pressée, c'est parti. Ça me rappelle ma grand-mère, elle m'en préparait tous les matins en vacances. D'accord. Eh ben toi, tu dois en avoir des souvenirs avec la bière. Oh oui, enfin non, enfin, pas trop non plus, ça reste un peu flou. Non, merci, ça va. Non, non, c'est bon, merci. Moi, j'aime bien les roses, hein, c'est mes fleurs préférées. Ah oui, c'est bien. Après, celle-là, elles avaient pas l'air foufolle, hein. C'est des trucs à la sauvette, c'est pas... Alors, le jus d'orange. Ouais. Ah. Et la bière. Ah, je suis désolé, excusez-moi, pardon. Je suis désolé, j'ai pas... Oui, ça va. Je vous apporte de l'ingé. Oui, oui, c'est ça, l'ingé. De toute manière, depuis le début, c'était un désastre. Un trop, monsieur, pour la 4. Salut. Salut. Ben, ravi de te voir en vrai. Ah ben, moi aussi. Désolé pour le retard, j'étais... Enfin, j'ai eu un souci avec mon vélo. Ah, t'es venu en vélo? Ouais. C'est bien ça, pour la planète. Bah tu sais, je pense qu'on a tous notre part de responsabilité face à la nature. On voit un truc? Avec plaisir. S'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je vous sers? Je vais prendre une orange pressée, moi. Ça me rappelle quand ma grand-mère me le préparait le matin pendant les vacances. Mais c'est dingue, c'est exactement la même chose pour moi. C'est fou? Enfin, je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. Ok, je vous apporte ça. Eh oui, j'ai grandi en Sicile, et là-bas, les agrumes, c'est un art de vivre. Un art de vivre? Tu connais l'Espagne? La Sicile, c'est pas l'Italie? Peut-être. Ah. Tiens. C'est pour toi, Barbara. Ah non, c'est gentil, mais non, franchement, ça me gêne. Oh, ça me gêne, arrête pas de ça entre nous, hein, ça va. Non, mais je veux dire, physiquement, là, ça m'encombre. Alors, mes jus d'eau. Hop. Ah, je suis désolé, excusez-moi, pardon. Je démarre en fait. Attends. Merci beaucoup, hein. J'adore les roses. Ça me fait plaisir. Ça va, c'est pas trop. Et les deux jus d'orange. Hop là, voilà. Et qu'est-ce que je... Ouais, si, je voulais te demander, c'est quoi ta couleur préférée? Je sais pas, le bleu. Le bleu? C'est cool. Waouh. En tout cas, on s'ennuie pas avec toi, hein? T'es quelqu'un de narcissif, t'as un vrai rentre-dedans, hein? Ah ouais, tu trouves? Ça s'arrête jamais, on s'ennuie pas, c'est... Ah mais c'est marrant parce que t'es pas la première à me le dire, ouais. Je suis un peu... toujours... je suis assez cash, quoi. C'est pas vrai, non, mais non, tu vois bien que je déconne, là. Eh oui. Bah ouais... Plus rentre dedans, d'accord. Un prof, monsieur, pour la carte. Ah. Salut, ma petite chatte. Bah, ravi de te voir en vrai. Ouais, c'est cool. Écoute, je suis pas venu les mains vides, là, je suis venu avec un bon gros salami. Je parle de ma verge. T'as des super pêches, t'aimes le cul? Oh. Et oui, c'est trop. Ça fait trop. Et t'écoutes quoi comme musique? Un peu de tout. J'ai pas de préférence. Classique, rap, rock. Et toi? Ah, moi j'ai un fait pour Renaud. Ah. J'adore ce mec. Alors, à nous, qu'est-ce que je vous sais? Salut bonhomme, moi je vais te prendre un pastis. Et t'as qu'à me mettre la bouteille. Moi j'ai horreur de bourgeois. Oui, mais t'es pas imitateur, connard, putain. Ouais, bah à l'époque j'habitais Limoges et je faisais des études de lettres.
La vache, Limoges. Mmh. Et tu t'es pas trop ennuyé? Si, un peu en fait. C'est que quand je me suis acheté des charentaises, là j'ai décidé de déménager, tu vois. Tu veux m'épouser? Pardon? Bon, je veux dire, te marier avec moi. On pourrait faire ça à la mairie d'Auxerre, je connais très bien l'adjoint au maire. Et en plus, je connais aussi un super traiteur juste à côté qui fait du tard à ma maison, c'est une tuerie. On pourrait avoir une maison aussi, un pavillon de plein pied. Et on pourrait avoir un chien aussi, un labrador, on l'appellerait Yuki ou Yuka si c'est une femelle. Est-ce que tu veux des enfants? Moi, oui, beaucoup, j'aimerais en avoir au moins 3 minimum. Et toi, tu sais pas, je t'aime. Waouh. Non, mais alors là, c'est très gentil tout ça, mais c'est un peu précipité, ça va vite, hein. Puis c'est bien planifié. Non, et oh, moi j'aime l'inattendu, j'aime l'aventure, hein. Ouais. Ah ouais. L'aventure, ok. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Je vais vous prendre un verre de sang de chèvre du Kentucky. Non, ça on va pas avoir par contre. J'ai l'impression qu'il faut tout faire soi-même ici. Ouais. C'est qui le patron? Salut. Bah, ravi de te voir en vrai. Ah bah, moi aussi. Je suis désolé, je suis un peu en retard, mais j'ai eu une longue journée là. En tous les cas, je suis ravi de la finir avec toi. C'est chouette. Je t'offre un verre. Je peux te poser une question? Oui, bien sûr. T'as mangé de l'andouillette récemment, non? Quoi? Tu sais, c'est la saucisse, là, qui sent l'anus, là. Enfin, le caca. Ah, non. Non. Bonjour, qu'est-ce que je vous sers? Rien, j'attends quelqu'un encore. Ok, très bien.